Yes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer quelque chose de très important en ce qui concerne le workflow, c'est-à-dire le, le, le rythme, le suivi de travail, la facilité avec laquelle on peut travailler avec un séquenceur. Et il faut bien voir qu'on est souvent perdu dans les étapes créatives à cause de la technique qui nous freine, qui nous ralentit, d'où l'importance de ce genre d'informations que je vais vous donner aujourd'hui. En gros, ça consiste en quoi Ça consiste à passer peut-être une après-midi, disons, euh, à configurer son séquenceur pour... Euh qu'il soit plus malléable, plus maniable en fonction de nos, nos envies et de nos besoins surtout, euh, pour qu'on puisse travailler plus vite avec. Et ça, c'est quelque chose que vous allez réaliser à une condition. Euh, bon, il y a des gens qui achètent des contrôles de surface très sophistiqués pour ça. Évidemment, on peut toujours le faire. Moi-même, j'ai acheté une tango récemment, donc ça fait partie de ces contrôleurs qui sont censés vous remplacer la souris et le clavier. Mais euh, je dois dire que malgré tout, une des façons les plus euh, efficaces de travailler, avec les séquenceurs et avec tout logiciel, d'ailleurs, consiste à euh, apprendre les raccourcis clavier et plus que ça, plus que les apprendre à créer vos propres raccourcis clavier. Donc, c'est quelque chose que moi je fais beaucoup et que j'ai cru remarquer que beaucoup de professionnels font. Euh, donc, je voulais vous dédier une vidéo aujourd'hui là-dessus. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous dédier une vidéo par séquenceur et faire ça avec Logic, avec Pro Tools, avec Cubase, etc. Euh, ça ferait trop de boulot et ça ferait trop de cas différents. Mais enfin, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui au travers de Nuendo qui est euh, l'un des séquenceurs si vous voulez les plus poussés à ce niveau-là au niveau de, de la customisation la personnalisation des raccourcis clavier c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique euh, dans votre séquenceur Logic le permet Pro Tools le permet etc, etc. justement en parlant de Pro Tools Pro Tools c'est un séquenceur où en général je modifie très peu les raccourcis clavier je me sers si vous voulez dans Pro Tools le but c'est plutôt d'apprendre euh, la façon dont les raccourcis claviers ont été programmés par les gars de chez Avid, de chez DigiDesign, ok Alors que dans les autres, dans Logic, dans Nuendo, Cubase, etc., etc. ça va plutôt être une question euh, de regarder un petit peu ce qui vous va dans ce qu'ils ont fait, et de modifier ce qui vous va pas. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer ma modification des raccourcis clavier, euh, ce que j'ai fait dans Nuendo. Et... Il faut bien voir que vous pouvez multiplier par deux, ou quand je dis par deux, peut-être même par dix, euh, la facilité de travail euh, du logiciel si vous prenez le temps de créer vos propres raccourcis clavier. Alors dans Nuendo, les raccourcis clavier, vous allez venir dans File et Key Commands. Alors si vous êtes en français, à Cuba c'est pareil, ce hein, sera peut-être raccourci clavier. Et comme vous pouvez le voir déjà c'est la première commande à modifier. Donc au départ il n'y a pas de raccourci clavier pour ouvrir les raccourcis clavier. Donc vous êtes obligé de venir dans le menu et d'ouvrir comme ça. Mais euh, la première chose que je fais et que je vous invite à faire c'est de mettre une commande clavier pour ouvrir ça. Et la commande la plus logique c'est la touche K. Enfin, logique pour moi en anglais, qui. Euh, euh, donc, si je referme ça et que j'appuie sur K sur mon clavier, vous voyez que ça nous ouvre la fenêtre des raccourcis clavier. Alors, je vous montre comment ça marche euh, dans Nuendo. Bon, mais dans les autres logiciels, vous pouvez euh, le deviner. En général, c'est toujours un petit peu la même chose. Je vais tout replier en, en appuyant sur le moins ici, de manière à avoir tous mes dossiers. Chaque dossier contient. Les centaines de raccourcis clavier possibles et imaginables et vous voyez par exemple ici file donc exporter audio mix down c'est-à-dire bounce to disk et bien c'est commande contrôle option return pour pour effectuer un bounce actuellement euh, dans nuendo évidemment tout ça est personnalisable donc la première chose à faire lorsque vous cherchez un raccourci clavier vous pouvez le parce qu'il y en a trop hein, il y en a des centaines et des milliers en tout cas dans nuendo vous pouvez taper ici ce ce de quoi il s'agit donc par exemple qui commande, qui commande. Et hop, ça nous amène directement ici sur qui commande. Et vous voyez que c'est assigné actuellement à la touche K du clavier. Alors, si vous voulez le changer, euh, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer dessus. Ensuite, vous voyez, l'assignation actuelle, c'est K. Donc, j'ai une petite poubelle ici. Je peux le, les supprimer. Voilà, remove. Et tout simplement, en cliquant ici dans cette zone et en tapant votre nouveau raccourci clavier, donc je tape K, voilà, il me dit que c'est libre. Donc je peux cliquer sur assigner. Si j'avais tapé quelque chose qui est déjà euh, utilisé, par exemple si je tape barre d'espace, vous voyez, il me dit que c'est déjà assigné, assigné à transport star stop. D'accord Donc euh, soit je peux le modifier. Soit je peux la signer malgré tout, et auquel cas il sera il sera éliminé du, Il ne fera plus start-stop, il fera à présent qui commence. Okay bon bref, moi je vais faire ici K pour qu'il commence et je la signe. Donc vous voyez à présent la touche est assignée. Alors vous pouvez en avoir plusieurs. D'accord si, si ça vous chante d'avoir deux touches qui font la même chose, vous pouvez tout à fait en assigner plusieurs. Okay Bien, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et vous pouvez comme ça customiser tous les raccourcis clavier. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauver un preset. Vous, voyez que vous avez un certain nombre de presets. D'ailleurs, Nuendo vient avec les raccourcis clavier de Logic, euh, de Pro Tools. Et moi, j'ai créé mes propres raccourcis clavier que je sauve sous euh, un preset qui s'appelle MG Nuendo. Et je peux le modifier, l'améliorer. Je l'améliore avec le temps. Et c'est très important de garder ce preset avec vous. Euh, de manière à ce que si vous réinstallez Nuendo, vous puissiez euh, retrouver vos raccourcis clavier sans avoir à les euh, recréer. Bien, alors une dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont les macros. Si vous cliquez sur voir les macros ici, les macros, si vous voulez, c'est quelque chose que permet Nuendo euh, et que permettent toutes les applications un petit peu professionnelles. C'est-à-dire ça vous permet de mélanger plusieurs raccourcis clavier. Et vous voyez que moi, j'ai créé trois macros ici que j'utilise. Vous voyez ce macro qui s'appelle ici Zoom Full XY, c'est moi qui lui ai donné ce nom, il est en réalité constitué de deux euh, key commandes qui vont être exécutées en une seule fois. C'est le but du macro. Euh, un macro va exécuter plusieurs key commands en un seul coup. Donc Zoom Full et Zoom Tracks Full. Pourquoi Je vous explique pourquoi. Parce que dans Nuendo, si vous voulez, le zoom horizontal est dissocié du zoom vertical. C'est-à-dire qu'avec les lettres G et H, si vous n'avez pas modifié, vous pouvez zoomer horizontalement, vous voyez, j'appuie sur H, ça zoome dans ce sens, et G, ça zoome dans l'autre sens, mais vous voyez que ça ne me zoome pas la hauteur de mes pistes, elle reste de la même hauteur. Euh, si je veux zoomer la hauteur de mes pistes, je peux venir ici par exemple, et vous voyez que là, ça me grossit mes pistes en hauteur, d'accord Donc dans Nuendo et dans Cubase, le zoom vertical et le zoom horizontal sont dissociés, le zoom XY si vous voulez, donc j'ai créé une macro pour que d'un seul coup, Nuendo me, me remette à zéro mon zoom horizontal et mon zoom vertical, ce qui fait que je vais voir toute ma chanson. Donc, et cette macro, je l'ai assignée à la touche Escape. Donc vous voyez ici Escape, si j'appuie là-dessus, Nuendo me fait un zoom full horizontal, c'est-à-dire que je vois toute ma chanson dans sa longueur, et un zoom full vertical, c'est-à-dire que je vois toutes mes pistes de la première à la dernière. Donc c'est bien pratique. Et pour faire ça, tout simplement, je suis allé dans Key Command, donc j'appuie sur K et euh, j'ai créé une macro zoom full xy, à laquelle j'ai assigné mes deux qui commandent donc vous cherchez hein, ZoomFull, vous tapez ici ZoomFull euh, zoom, alors si vous êtes en français je ne sais pas hein. ZoomFull, zoom full. vous voyez au départ cette macro c'était Shift F et ensuite ZoomTraxFull, c'est une autre, une autre qui commande si vous voulez donc plutôt que de leur assigner à chacune des commandes et à taper, de, de taper deux commandes, eh bien je les ai regroupées dans une macro. Et, et, et la macro en elle-même, je lui ai donné un raccourci clavier. Je lui ai donné le raccourci clavier Escape. d'accord Donc vous voyez que dans Nuendo, vous avez ici un dossier qui s'appelle Macro. Et là-dedans, vous allez pouvoir assigner une seule touche du clavier à une macro qui, elle, va faire plusieurs actions d'un coup. Ok, donc j'espère que c'est clair. De la même manière, dans Nuendo, il y a deux fenêtres undo, si vous voulez, ce qu'ils appellent History. La première, vous la trouvez ici dans Edit History. Et ça vous ouvre, si vous voulez, une historique de toutes les actions que vous avez faites. Et c'est bien pratique, vous pouvez les annuler, ces actions, vous voyez, comme ça, revenir dans le temps. Et en avant et en arrière, évidemment. Et vous avez une deuxième euh, fenêtre de undo, une deuxième possibilité de faire des undo. Sur les opérations, vous allez appliquer, si vous appliquez par exemple des plugins sur l'audio, admettons que tout ceci, je le bounce. Donc encore une fois, moi j'ai créé une commande pour bounce. J'ai assigné commande, option, contrôle, flèche vers le bas. Et vous voyez que c'est très pratique parce qu'en une seule fonction, j'ai bouncé ça. J'ai bouncé ces différents petits bouts d'audio. Je vous montrer ça. Vous voyez ici, ça m'a fait un seul bout d'audio. Je vais faire undo j'avais plusieurs petits bouts d'audio 1, 2, 3, 4 bouts d'audio donc tout simplement ce que j'ai fait je les ai sélectionnés avec la souris comme ceci et j'ai fait commande option contrôle flèche vers le bas enter et euh, j'ai mon bounce qui est fait pour ces bouts d'audio vous voyez c'est très 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 rapide alors si j'appuie sur cache je peux vous montrer ça vous voyez que j'ai assigné dans audio bounce j'ai assigné ça à commande, contrôle, option, down, c'est-à-dire flèche vers le bas, ok Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas assignées lorsque vous achetez Cubase, lorsque vous achetez Nuendo, ce sont des choses, il y en a des dizaines comme ça à assigner, euh, qui vont accélérer énormément votre travail, ok Alors, je vous parlais de la macro History, e ce que j'ai fait, c'est que j'ai assigné la, la, la touche U, tout simplement, U comme Undo, j'ai assigné ça à History, e et vous voyez, ça m'ouvre deux fenêtres History. E ça, c'est ma fenêtre des hindous normaux, c'est-à-dire toutes mes actions. Admettons que je colorie une piste, je, je baisse un fader, tous mes hindous, je vais les trouver là et je peux revenir en arrière, tout simplement, comme ceci, comme cela. Et ça, par contre, ici, c'est la deuxième fenêtre d'annulation de Nuendo. C'est la fenêtre des annulations de ce qu'ils appellent les offline process. Il y a tout un tas de processus offline que vous pouvez faire dans Nuendo, comme par exemple normaliser l'audio ou quoi ou okay. caisse. Et avec cette fenêtre-là, donc avec une seule touche, en appuyant sur U, j'ouvre mes deux fenêtres undo d'un seul coup. OK Bien, donc ça, encore une fois, c'est une macro que j'ai... Assez...